Salut à tous, bon dimanche, bonne journée, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Ce matin, chose assez rare dans le Blender Café, on va parler comics. Vive du sujet, trêve de blabla. Il va falloir que je vous parle de ce comics des maîtres de l'univers Révélation, tiré de la série Netflix qui est sortie en 2021, donc l'année dernière, sur la plateforme. Et là, on a Panini Comics qui nous sort une BD sur laquelle il y a quand même pas mal de choses à dire. Je vais vous lire le pitch parce que je vais pas essayer de pas spoiler. Essayer de pas spoiler non plus par ceux qui voudront lire. On va essayer de faire une review ce matin sans trop de spoil. Alors, au beau milieu de la nuit, une horrible créature attaque le roi Randor d'Eternia, le laissant dans un état comateux. Musclor et ses compagnons se mettent alors en quête d'un remède et cherchent à découvrir l'origine du monstre et de la raison de cette attaque. L'homme le plus fort de l'univers sera amené à rencontrer le légendaire roi Grayskull lui-même. Il explorera le passé et les secrets de Skeletor ou encore Démonia. Et bien plus encore. C'est une mini-série conçue par Kevin Smith, à qui on doit Daredevil, et Rob Devin, He-Man The Eternity War, donc comme je vous disais, la BD 2013. Le binôme qui a également créé la série Netflix consacrée aux maîtres de l'univers. Les textes sont de Tim Sheridan, Teen Titan Academy, et les illustrations de Mindy Lee, à qui on doit la BD comics Bounty. Alors vous allez me dire, qui est Tim Sheridan ? C'est un scénariste de DC Comics qui a bossé sur du Batman, qui a bossé sur du Teen Titan, si je dis pas de bêtises, qui a bossé sur du Shazam, qui bosse encore sur du Shazam, c'est un des auteurs du moment. C'est à lui qu'on doit par exemple Batman The Long Halloween, si je dis pas de bêtises. Mais c'est aussi, surtout, le scénariste de la série Transformers disponible sur Netflix, Transformers les War for Cybertron. Donc un habitué de la team Netflix, je dirais. Donc je pense qu'ils ne sont pas allés chercher bien loin. Ils avaient des auteurs chez eux de renom et ils sont allés taper à la porte pour les avoir sous la main. Alors, et on a au dessin Mindy Lee qui est une dessinatrice que je ne connaissais pas. Dessinatrice dont on va parler un petit peu parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et qui va apporter sur le comics... Une touche assez féminine que je trouve pas dégueulasse. J'aime vraiment beaucoup Mindy Lee, elle a un style qui est vraiment centré sur le personnage où on a vraiment un personnage qui est mis en valeur en fait. On a des effets de couleurs. Alors ça reste très classique, ça aussi j'aime beaucoup. C'est pas too much de l'effet retouché par ordi, etc. Alors vous voyez, bon, bah, y a du scare glow, il y a des trucs très 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 fous. Je vais passer quelques pages, je vais essayer de pas trop vous spoiler. On a des grandes planches complètes comme ça, où on retrouve les héros. Voilà, pour ceux qui ont aimé Musclor étant gamin, ils y retrouvent leur compte. Hein. Là, on est plus... Je trouve qu'on est... C'est plus fidèle, finalement, à ceux qui ont aimé le dessin animé Filmation. Cette version comics est finalement plus fidèle. Je pense que les fans de la première heure y trouveront peut-être plus leur compte que sur la série qui intègre beaucoup d'images de synthèse. On a du... Voilà, le personnage est toujours en avant, en fait, dans le style de cette dessinatrice, et ça j'aime beaucoup, où on a des personnages qui sortent des cases comme ça pour appuyer l'action, et ça j'aime beaucoup, voilà. C'est vraiment clean, c'est propre, c'est simple, c'est agréable à lire. Ça, c'est très agréable à lire. Donc ça, c'est vraiment le point qui m'a plu. On parlera du scénario tout à l'heure. L'aspect graphique est très réussi, je trouve. Pour moi, ça m'a un peu fait penser dans le style à ce qu'on a chez Fiona Staples avec la BD Saga. Même si Saga... Pour moi, c'est The Must en comics de ces dernières années. Mais voilà. Donc, petite touche féminine qui apporte un petit peu de clarté dans ce monde de brutes, de gros barbares. Et c'est pas dégueulasse. Donc, cette BD, elle se situe pile poil avant le premier épisode. Donc, on a nos aventures des héros qui restent relativement classiques. Mais néanmoins, qui va nous apprendre pas mal de choses... sur l'univers de la série qu'on a découvert cette année sur Netflix. Alors,
pour donner un petit peu le topo, pourquoi Mattel et Netflix ont décidé de lancer cette série, on en apprend un petit peu plus ici à l'intérieur. On a un petit, une petite préface. Ça se situe donc avant, voilà. On a ici une petite préface qui nous explique en fait le pourquoi de la série, et il y a des trucs assez intéressants. Voilà. C'est ce que je vous disais, Rod David, le monsieur de chez Mattel, avait un plan qui était de relancer, pour les maîtres de l'univers, pour la licence des maîtres de l'univers, la série en trois phases. Alors, ils le disent ici dans le texte, ils voulaient relancer donc une série pour les enfants, donc la série qui est sortie en septembre dernier, avec des scénarios vraiment portés pour les enfants, pour que ça parle à cette nouvelle génération, donc ça c'est fait. Une série pour les fans de la première heure, mais racontée de façon plus adulte. Donc ce que dit ici le texte, c'est que Kevin Smith a essayé de raconter une histoire avec des héros qui ont grandi, qui ont évolué, comme les lecteurs finalement. Hein, c'est un peu ce qu'on avait dit dans la vidéo avec Archaeo Toys, finalement on avait assez bien senti le truc, donc c'est vrai, c'était vraiment le but. Et on apprend qu'il y aurait dans les tuyaux un film live avec des acteurs. Donc c'est écrit, hein, c'est écrit, c'est là-dedans. Donc je le savais pas, ça, moi je vous avoue que j'avais pas trop suivi les projets en cours. Donc on apprend qu'il y a un film qui est en cours et qui va sortir. Alors dans le pitch on nous dit qu'on apprend des choses, on nous parle du roi Grayskull. Alors on va dire Grayskull, Grayskull, dans la BD, dans la série ils disent Grayskull, on va dire Grayskull, c'est quand même plus propre. Ils nous disent, je vais vous montrer quelques planches, hein. Ici sur Eternia, voilà, on va regarder un petit peu, hop, je vais vous montrer. Donc, on a des trucs très très cool sur les origines d'Eternia, hein. Donc effectivement ici on voit le King Grayskull, avec ses fils, etc. Donc là on a vraiment des trucs assez intéressant sur les liens de paternité et la généalogie d'Eternia. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, petite entrée en matière. On a quelques trucs sympas là-dessus, donc vous apprendrez des choses sur un petit peu les origines. On retrouve du Skierglow, et ça, c'est toujours cool. Très bon personnage. On a... voilà, on retrouve du héros, on retrouve des personnages mythiques de l'univers, des maîtres de l'univers. Ça rime, hein, c'est bien. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit peu de trucs, voilà. Ça, je rentre pas plus dans le détail. On a du Hordak et on a un petit peu de trucs sur les origines de Skeletor. Alors ça... Quoi vous dire là-dessus? Ils ont pris un chemin pour Skeletor. Ils ont pris un chemin pour Skeletor qui est discutable et qui est encore nouveau. Voilà. Si vous avez regardé la série Netflix qui s'adresse aux enfants. Il y a une explication, Skeletor est le frère du roi Randor, voilà, et c'est le tonton maléfique du prince Adam. Ici, on part sur autre chose. Voilà, on a ce genre de truc, je vais pas rentrer plus dans le détail. On a ce genre de truc. Bon, voilà. Je vous en dis pas plus, hein. Je vous laisse la surprise de ça. Je vous laisse la surprise de ce truc-là. En tout cas, on apprend des choses sur Skeletor. De là à savoir si c'est vrai, si vraiment ça va aller plus loin ou pas. La suite nous le dira. Oui, la suite nous le dira parce que cette BD est en 4 tomes. Ici, c'est le premier tome. Et on va avoir 3 autres volumes qui vont venir compléter la série pour apporter les petits éléments de compréhension supplémentaires à la série Maître de l'Univers Révélation. Donc là, on est clairement sur une bande dessinée qui vient agrémenter tout l'univers autour de la série, donc sur laquelle vous aurez des petits éléments de compréhension complémentaires qui sont pas négligeables. Voilà l'intérêt de cette bande dessinée. Vous allez me dire, c'est pas la première fois qu'on a du maître de l'univers en bande dessinée. Oui, et vous aurez raison,
puisqu'il y a quelques années, on a eu droit à ça. Ça, c'est sorti chez DC Comics. On avait, alors je vais faire dans l'ordre, on avait les Maîtres de l'Univers en crossover avec les Cosmo Cats. Donc toujours pareil, hein, on a Rob David qui est toujours présent avec un scénario de Lloyd Goldfein. Et puis on a eu, et un dessin de Freddy Williams, bien sûr. Et on a eu la deuxième BD Injustice, deuxième crossover Injustice, des Maîtres de l'Univers contre Superman, avec Batman qui monte une équipe pour aller chercher à Eternia notre gros barbare pour demander un petit coup de main. Alors, ça introduit très clairement les Maîtres de l'Univers dans une ambiance DC Comics, donc clairement, hein. Donc la licence c'est pas nouveau, mais on savait que les Maîtres de l'Univers étaient rattachés à la licence DC Comics. Alors du coup, moi la question que je me pose, vous n'êtes pas sans savoir que Panini Comics, c'est eux qui éditent Marvel depuis de nombreuses années maintenant. Je suis peut-être, j'ai peut-être trop bouffé de multivers dans ma tête, mais est-ce que ça sentirait pas un rapprochement improbable entre Marvel et DC Comics? Je n'en sais rien. En tout cas, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors moi j'avais lu ces BD là il y a quelques temps. C'est sympa, c'est plutôt sympa. Les deux sont sympas, c'est assez différent. Seul truc qui m'a fait un peu hésiter, c'était honnêtement le dessin. Je suis vraiment pas fan de la couverture de Cosmo Cat. Je trouve que j'aime pas trop le style. Mais à l'intérieur ça va mieux. Voilà, à l'intérieur ça va mieux. Donc ça, c'est le style de Freddy Williams, hein. Donc c'est très coloré, c'est très chargé. Voilà, c'est vraiment très chargé. Voilà. Le scénario était pas dégueulasse, le style graphique particulier. Donc c'est des bonnes BD, des très bonnes BD. Et là, on est sur un style relativement plus clean, hein. Dès la couverture, on est sur un style très clean. Et très propre. Alors, c'est la même chose. Je dis clean et propre, c'est la même chose dans des langues différentes. Donc, je ne vous apporte pas grand-chose. Maintenant, place au cadeau. Parce que j'ai demandé, du coup, à Panini Comics de pouvoir vous en offrir. Et la surprise, c'est que à partir de maintenant, donc sur Twitter et sur Instagram, sur les comptes de French Toy Game, il vous suffira de vous abonner à Panini Comics, de vous abonner à Toy Game et de nous dire en commentaire qui est votre Musclor ou qui est votre Skeletor. Donc taguez le Musclor de votre cœur, taguez le Skeletor de votre cœur et on fera le tirage au sort pour vous offrir la bande dessinée. Voilà, pas plus compliqué que ça. Je vous dis à très bientôt dans le prochain live ou dans de prochaines vidéos. D'ici là, pensez à vous amuser et ciao tout le monde. Des bisous.